En mai 2018, Vincent Lagaffe revenait en force à la télévision sur C8 avec Strike, après 3 ans d'absence. Mais dès le mois de septembre, l'animateur évoquait déjà sur RTL la possibilité d'un retour prochain sur TF1 à la tête d'une émission sur les sports mécaniques. Des déclarations qui n'avaient pas plu du tout à la chaîne et à Cyril Hanouna. Dans Touche pas à mon poste, Vincent Lagaffe s'était attiré les foudres des chroniqueurs, mais restait sur ses positions. Le jour où C8 me propose 244 jours de boulot par an, je réfléchirai à rester, note de la rédaction. Là j'ai 12 jours de boulot dans l'année pour C8, avait-il justifié. Depuis, le jeu Strike a continué d'être diffusé et Cyril Hanouna a semblé vouloir tourner la page et soutenir le présentateur dans ses choix. De son côté, Vincent Lagaffe était invité dans Les Terriens du samedi ce 9 mars et a répondu à Thierry Ardisson sur sa relation avec son ancien producteur, « On n'a jamais été ennemis. On n'a jamais non plus été amis de très longue date. Non, il n'y a pas d'animosité. Ce n'est donc ni le grand amour, ni la guerre entre les deux hommes. » Mais de là à faire revivre le Guidil, un projet dont ils avaient discuté à l'antenne, il ne faut visiblement pas y compter. J.